Le calculateur moteur est une pièce électronique qui gère les différentes fonctions du moteur, comme l'allumage, l'injection, la transmission, la sécurité, etc. Il reçoit des signaux des capteurs et envoie des ordres aux actionneurs. Le calculateur moteur contient un logiciel qui est adapté aux caractéristiques du véhicule, comme le type de moteur, la boîte de vitesse, les équipements, etc. Ce logiciel est appelé la cartographie moteur. Dans cette vidéo, on vous montrera la procédure à effectuer pour remplacer votre calculateur moteur sans programmation. Pour remplacer un calculateur moteur par un autre modèle identique, il faut d'abord débrancher la batterie du véhicule et localiser le boîtier du calculateur. Il se trouve généralement sous le capot ou sous la planche de bord. Ensuite, il faut déconnecter les connecteurs du calculateur et le retirer de son support. Il faut faire attention à ne pas endommager les broches ou les fils. Par la suite, lire les informations sur l'étiquette collée sur le corps du calculateur pour le comparer au nouveau. Il faut ensuite installer le nouveau calculateur et le brancher au connecteur. Il faut vérifier que les broches sont bien alignées et que les clips sont bien enclenchés. Il faut ensuite rebrancher la batterie et démarrer le véhicule. Il se peut qu'il faille effectuer une procédure d'apprentissage ou de codage pour que le nouveau calculateur soit reconnu par le système. Mais dans le cas où le calculateur gère l'antidémarrage, vous serez dans l'obligation de programmer la clé avec le nouveau calculateur. Il est conseillé de faire un diagnostic avec un appareil adapté pour vérifier que tout fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de défaut ou de code erreur. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas à souscrire à notre formation 3 en 1 en programmation de clé, en installation de GPS et en diagnostic assisté par ordinateur avec codage des injecteurs et réapprentissage du boîtier papillon.